Nous sommes donc au musée des arts décoratifs et du design de Bordeaux pour présenter l'exposition Corps subtil, qui est en fait une carte blanche qui m'a donnée la directrice, Constance Rubini, pour investir les espaces de l'hôtel Lalande avec mes projets les plus récents. On présente deux de mes derniers travaux de recherche, un qui s'articule autour de l'hypnose et le rapport que les objets peuvent en avoir dans le processus hypnotique, ainsi dans le déclenchement de la transe hypnotique, comme l'accompagnement dans le processus. C'est un projet que j'ai fait il y a 4 ans lors de l'obtention du prix des Audi Talents Award, qui m'a permis de développer toute cette série d'objets. Et un deuxième projet inédit que j'ai réalisé lors de mon séjour à la Villa Médicis de Rome, lorsque j'étais pensionnaire en 2013, où j'ai développé des objets plutôt, cette fois-ci, pour communiquer avec l'au-delà. Alors ça va paraître un peu étrange, comme ça, de le dire si simplement, mais en fait, l'objet a toujours été présent lorsqu'il s'agissait de communiquer avec l'au-delà. Donc à travers, toujours comme l'espèce de pont, de lien, de médium entre nous et ce monde invisible qui nous échappe. C'est en fait, en regardant un peu l'histoire, il s'avère qu'au XIXe siècle, c'est vrai qu'aujourd'hui pour nous c'est très étrange, mais au XIXe siècle, les grands scientifiques et les grandes avancées technologiques de l'époque, notamment liées au téléphone, à la communication à distance, télégraphe, télégramme, bah, tous ces scientifiques étaient convaincus que leurs inventions n'étaient qu'autre chose que pour communiquer avec les morts. Je trouve que ce genre de musée dans lequel on déploie une très belle collection d'objets historique, sous la forme de period rooms. On a une charge toute différente que si on était dans un musée, galerie, White Cube. On s'est installé dans les salles du musée qui étaient celles qui avaient encore gardé soit une histoire très forte liée à la fonction de l'époque, donc la chambre où ils dormaient, ou le salon, on appelle le salon de compagnie, donc la salle principale où les gens se réunissent. Ou se réunissaient plutôt pour manger ou discuter. On s'est investi dans les pièces peut-être aussi où il y avait le plus de fantômes. J'ai décidé de commencer le projet en dessinant des urnes, en fait, des urnes funéraires. Je voulais dessiner des objets qui, peut-être, pouvaient raconter, d'une part, ce moment de transition, de mouvement, de passage, et en même temps, être comme une dernière demeure de ce qui reste du corps. Et donc, penser plutôt cet objet comme une architecture, donc avec des matériaux peut-être plus nobles et avec un principe de construction plutôt lié au champ de l'architecture. Et donc j'ai pris le marbre, évidemment, comme référence, qui est déjà encore utilisé, mais en créant une forme géométrique simple qui, lorsqu'elle creuse évidemment au milieu pour pouvoir ranger les cendres, lorsqu'elle tourne sur son axe central pivoté 365, donc un cycle entier, on dessine ce début de colonne ou de torsade dans laquelle vient s'abriter les cendres. Alors c'est un objet qui est du coup pensé vraiment d'un point de vue industriel, c'est toujours la même pièce qui est juste empilée et tournée sur ce même axe. Donc à produire industriellement aujourd'hui, ça serait extrêmement simple.
C'est une pièce basta, c'est en marbre Carrara, c'est un projet qui, donc une matière noble qui reste instable le long du temps. Et j'en ai décliné en fait sur 5 formes géométriques pures, du cercle jusqu'au pentagone, parce qu'en fait finalement chaque forme génère une torsade différente, une vitesse différente. Et c'était intéressant de générer comme ça une collection pour que les gens aussi puissent choisir selon leur rapport. Alors l'idée c'est de le choisir en vie pour qu'on choisisse sa propre demeure, mais au cas où ce soit pas le cas, qu'on puisse avoir aussi le droit de choisir laquelle nous parle mieux. Tout au fond, vous verrez donc l'œil protecteur, un autre projet que j'ai dessiné donc pour cette exposition. Évidemment, lorsqu'on parle de fantômes, il faut quand même se protéger, on le sait. Pas tous les fantômes sont gentils, pas tous les esprits sont bienveillants, et on veut inviter que les sympathiques et les gentils. Donc de la collection du musée, on a sorti des reliques, des objets intimes, des personnages peut-être les plus emblématiques, mais aussi les plus sympathiques de l'histoire de la France. Nous avons des reliques de Louis XVI, des bouts d'os, de cheveux qui seraient à lui. On a des cheveux de la duchesse de Berry, plein d'objets comme ça, intimistes, qui en fait, ils ont tout un autre statut que tout le reste des objets, puisque c'était vraiment des objets chargés d'histoire, de souvenirs et de tragédies. Donc, mais il semblerait que c'était des personnages assez sympathiques, dont on les invite évidemment à revenir pour nous visiter, mais il faut quand même se protéger. Donc cet œil que vous voyez au fond, il est un peu ce symbole aujourd'hui. Certaines cultures continuent à penser que le mauvais œil, il faut se protéger du mauvais œil. En Turquie, en Grèce, on porte des amulettes en forme d'œil, mais pas que, en Égypte. C'est toujours lié à cette superstition qu'on peut vous jeter un mauvais regard et donc vous envoyer un mauvais sort. Et donc, on voulait se protéger. Et donc, pour cela, on a dessiné donc un miroir en forme peut-être d'œil, mais plutôt qui est convexe et qui permet en fait, à partir du miroir qui est au centre, de regarder l'ensemble de la pièce. Comme on est en train de chercher à voir les fantômes, c'était important de pouvoir observer à tout moment, de tout point de vue, l'ensemble de l'environnement qui nous entoure.